entends-tu ces petits bruits bizarres dans la nuit? Le plafond. Non, le plan. Le plan chez Crac. Un volet. Volet. Oui. Grince. Grince. Le chat miaule. La pluie tombe. Un chien aboie. Ferme. Attends, j'ai mal au ventre. J'ai raté. Mais là, le coup. Quand c'est un ami, un garçon, on prend celui-ci. Oui. Qui a le A, le M et le I. D'accord. Et quand c'est une fille, Laetitia, est une amie de Jojo, on prend celui qui a le E à la fin. D'accord. Alors, quand c'est masculin, un garçon, oui. Hein, masculin, on met le mot ami avec le I. Et quand c'est féminin, quand c'est, on parle d'une fille, on met le mot ami avec un E. Alors, je vous le remontre. Alors là, c'est pour qui? Je l'emploie celui-là pour un garçon. Et là? Pour une fille. D'accord. Je sais pas qu'il manque un accent, on peut sur lui. Tu pourrais l'écrire aussi avec l'ordinateur, comme l'écran. Hein? Bon, ça y est, les nouvelles phrases? Moi, oui. Oui? Alors, Marie, lis ta phrase maintenant. Marie et son amie, Jessie. C'est bon, elle est bonne comme ça? Oui. Bien. Et toi, Jojo, qu'est-ce que tu as écrit? Papa et son ami Jojo. Oui, on peut le dire? Oui. On peut le dire? Oui. Bon. Laetitia! Et ami son Jojo. Non, ça va pas. Ça va pas. Faut mettre le son avant l'ami. Bien. L'ami se met à côté du Jojo. Voilà, là c'est bon. Son avant ami. Change-le de place, le son. Oui, elle est bien. Allez, c'est à toi, Joanne, maintenant. Joanne et son copain. Copain? Moi, j'ai pas donné l'étiquette copain. Hein? Non. Ami. Ami. Joanne et. Joanne et. Il reconnaît pas ce mot. Son.
ami. Mais dis-le si on te le dit. Copain. Mais qu'est-ce qu'il nous fait avec copain? On vient de lui dire qu'on n'a pas dit copain, que c'est ami. Papa. Bon. Et si tu mets maman à la place de papa, qu'est-ce qu'il faut changer? Sa copine. Mais bon. Son ami. On n'a pas dit copain et copine. On n'a pas dit copine et copain.